présenter un petit effet où je vais rien faire. Simplement, toi, tu vas faire tout jusqu'à la fin. Alors, on part avec un jeu de 52 cartes. Les faces, tu peux regarder si le jeu est tout à fait correct. D'ailleurs, je vais te le laisser entre les mains. Tu le prends, tu regardes, tu peux mélanger les cartes. D'accord, ça on n'en a plus besoin. Tu peux bien mélanger les cartes, les couper, tu fais ce que tu veux avec. D'ailleurs, moi je vais même me retourner pour pas que je voie ce que tu vas faire par la suite. Est-ce que le jeu te semble correct? Très bien. Alors, petite précision, le jeu peut être emprunté. Ça, c'est très important, j'insiste là-dessus. Donc, tu peux poser le jeu sur la table, d'accord? Tu vas couper le jeu en deux, à peu près, où tu veux. D'accord. Là, juste comme ça, sans regarder, je pense qu'il y en a, il y a une moitié qui est moins grande que l'autre. Peut-être, je sais pas. Tu sais pas? Non. À peu près. Non? Bon, prends celle-ci. D'accord. Ce que tu vas faire, tu vas la regarder les cartes. Si tu veux, tu peux encore les remélanger. Non. Ça te convient? Ok. Tu vas sortir 5 cartes. Alors j'insiste, le jeu a été mélangé, coupé plusieurs fois. Actuellement, Brigitte va sortir 5 cartes qu'elle va poser face en bas sur la table. Tu me dis quand c'est fait. C'est bon? Non. Encore une carte. Donc tu choisis bien tes cartes. Minute. Je fais voir aux spectateurs. Non, tu les vois, tu les poses là, oui, très bien. Je fais voir mes cartes. Ouais, tu leur montres les cartes. Et parmi ces 5, en fait, ce que tu vas faire, tu vas en mémoriser une. Donc tu montres aux spectateurs celle que tu vas mémoriser. D'accord. Tu leur montres bien la carte. Parmi les 5. Voilà. D'accord. Donc tu mélanges les cartes. Entre toi, tu mélanges tes 5 cartes, d'accord, c'est bon, que tu déposes sur le jeu, voilà. Et avec le reste, tu complètes. Voilà. D'accord, vous avez vu la carte, tu as mémorisé la carte. Maintenant, mon but à moi, bien sûr, c'est de retrouver la carte, d'accord. J'ai juste une indication, c'est qu'elle est dans le jeu. C'est déjà pas mal. Ok, alors regarde, moi je vais faire 5 tas. Jusqu'à la fin, comme ça. C'est le seul exercice que je vais faire. D'accord. Et toi, tu vas essayer de localiser où se trouve désormais ta carte. Chose qui est quand même facile parce que tu la connais. Mais vu que les cartes sont face en bas, ça va être un peu plus difficile. D'accord. Jusqu'à la fin. Voilà. Nous y arrivons. Alors, d'après toi, où est-ce que peut se trouver ta carte? Je sais pas. Allez, attends. Oh. Là? Là? Je pense. Je vais oui, tu peux le regarder. Est-ce que, bah, tu, est-ce que tu, je voulais faire. Est-ce que tu vois ta carte? Elle est pas là. Elle est pas là, donc. Non. Ok. D'après toi, où ça? Je sais pas. Non, elle est pas là. Elle est pas là non plus? D'accord. Oui, tout ceci est fait par Brigitte. Voilà, non plus. Elle n'est pas là non plus. Et bien sûr, dans la dernière, il y a ta carte, forcément. Ouais. Ok, donc tu me donnes les cartes. Alors ce que je vais faire, je vais même pas te regarder, je vais même pas regarder ton visage. Je vais te les passer une à une comme ça. Oui. Et quand tu la verras, tu y penseras. Simplement. Et moi, je vais, dans un futur proche, essayer de ressortir ta carte. J'ai l'impression que ça commence à être très très chaud. Je ressens quelque chose à l'instant où je te montre les cartes. Une dernière fois, je vais juste te faire ça. Là, elle essaie de me tromper. Je sais.
Quel est le nom de ta carte? Il faut le dire. Mm-hmm. L'As de cœur. L'As de cœur. Prends la prochaine. Ouais. Celle-ci. L'As de cœur. Bravo. Ça t'a plu celui-là? Ouais, c'est alors, bluffant. C'est bluffant parce que j'ai rien fait. T'as tout fait en fait, pratiquement. Mm-hmm. Je teste. Et c'est un tour qui vient du Petit Magicien, c'est un site internet que vous connaissez. Il fait pas mal de tours que je trouve sont très sympas, et celui-là, d'ailleurs c'est le dernier qu'il a sorti, celui-là, et je l'ai trouvé très très sympa. C'est vrai. Voilà, bah Brigitte et moi, nous vous disons, oh, j'arrive plus à parler, tu peux leur dire. Hein. Bah, à la prochaine. À la prochaine. Et puis, merci d'être là, fidèle au rendez-vous, et on vous dit à bientôt. Allez, bye bye. Bye bye. Ciao. Au revoir. Au revoir.